Ces hommes sont inquiets. Depuis déjà une demi-journée, ils sont bloqués à 3000 mètres d'altitude au beau milieu des neiges éternelles. Leur peur, être obligés de passer la nuit en pleine montagne par moins 10 degrés, car la Lohari, rebaptisée la route de l'enfer, vient de s'effondrer. Les automobilistes n'ont pas d'autre choix que de la reconstruire par eux-mêmes. Cet endroit est très dangereux et la route ferme tout le temps. Ce matin, ils venaient de l'ouvrir et déjà elle s'effondre. Alors on répare nous-mêmes. Et si Dieu le veut, on pourra bientôt partir. Vas-y, avance. Avance doucement, vas-y. Il aura fallu 7 heures aux automobilistes pour colmater la brèche. La route est de nouveau praticable, mais pour combien de temps? Située dans les zones tribales du nord-ouest Pakistan, la ville de Dir est le point de départ de la Lohari. Longue de 240 km, cette route est l'unique point de passage à travers la montagne pour ravitailler la vallée de Chitral et ses petits villages, mitoyens avec l'Afghanistan. Une route où la moindre erreur d'inattention peut s'avérer fatale. La route la plus dangereuse, la plus vicieuse, c'est la Lohari. De graves accidents arrivent là-bas. Des conducteurs sont tués. Vous en avez peur de cette route? Bien sûr qu'on en a peur. On a même peur d'y mourir. Dieu est grand, il va nous aider à passer, il le faut. Mais passe une vitesse, passe une vitesse, tu veux nous tuer ou quoi? Ils sont toujours très inquiets de partir sur cette route. Inquiets de ne jamais revoir leur maison, de ne jamais retrouver leurs enfants. Sur cette route, un accident peut survenir à tout moment. Dir, la pieuse et ses 20 000 âmes vivent principalement de la route. Toute la journée, des tonnes de marchandises sont chargées et déchargées des camions, unique moyen de transport de la région. Le quartier des camionneurs est la principale source d'emploi. Conducteurs, mécaniciens, assistants de tout âge, ils travaillent chaque jour dans la poussière et la pollution. À 23 ans, Camara a bien réussi dans la vie. Il est déjà propriétaire de 2 camions. Ce matin, il est inquiet, son camion va s'engager sur la Lohari. Il doit livrer 2 tonnes de sucre au petit village de Chitral. Ce voyage périlleux, il l'a confié à son meilleur chauffeur. Je vous présente Daou, c'est mon chauffeur. Je le paye 40 euros par mois. Il travaille avec son petit frère. C'est une bonne équipe, ils sont très courageux. 40 euros par mois, c'est le salaire moyen au Pakistan. À ce prix-là, peu de chauffeurs acceptent de risquer leur vie sur cette route. Alors pour trouver des candidats, Camara offre une prime de risque de 60 euros par trajet. Une prime qui motive les plus jeunes. Voilà Khalid. C'est le petit frère de Daou. Il fait l'assistant pendant le trajet. Mais 14 ans, c'est pas trop jeune? C'est la pauvreté qui l'oblige. Il n'y a pas d'autre activité ici. Quel est le rôle de ton petit frère? Il s'occupe des manœuvres difficiles en m'indiquant les directions. Il me prévient des problèmes sur la route et s'occupe de la mécanique. Et il travaille bien? Ah oui, car s'il fait mal son travail, je ne lui apprendrai pas à conduire le camion.
7h du matin, Daoud sonne le départ. Voyager sur la Lowari est loin d'être une partie de plaisir. Sur 240 km, la route serpente à travers la montagne et ses corniches vertigineuses. Logiquement, il faut une journée pour en arriver à bout, mais peu de chauffeurs y parviennent. Daoud veut pourtant la franchir le plus rapidement possible au mépris du danger. Salut mec. Son objectif est de multiplier les allers-retours afin de cumuler les primes de risque. Pour y parvenir, il ne s'arrête jamais et passe sa vie dans son camion. Entre le camion et moi, c'est une relation extrêmement forte. Il est comme ma maison. Je mange, je dors ici. En fait, je passe plus de temps à son bord que chez moi. Daoud conduit depuis bientôt 10 ans. Le camion, lui, n'a plus d'âge. Le compteur est d'ailleurs resté bloqué sur 776 000 km depuis bien longtemps. Peu importe, les deux frères l'ont décoré comme leur propre maison. Les photos de feu Benazir Bhutto y partagent l'espace avec celles de popstar indienne, idole de la jeunesse pakistanaise. À 2000 mètres d'altitude, les premières difficultés surviennent. La fonte des neiges forme des torrents qui coupent, creusent et emportent la route sur des centaines de mètres. Pour franchir ce torrent, on avance en première, très très doucement, à cause des trous au fond de l'eau. Mais quels sont vraiment les risques? Quand on est chargé, comme aujourd'hui, on risque de casser l'arbre de direction. Mais pire que tout, on risque de se renverser. À chaque passage dangereux, les pneus sont déformés, entaillés par les rochers. Alors Khalid les vérifie un par un pour éviter tout éclatement. Sur la Lowari, les problèmes ne s'arrêtent jamais. Alors pour les oublier, les chauffeurs fument la drogue locale. Quand je fume du hashish, je ne pense plus à la route. À tous les problèmes que je vais bientôt rencontrer. Et en plus, je ne réfléchis même plus au danger. La tête dans les nuages, Daoud devient un danger supplémentaire sur la route. De nombreux accidents sont causés par cette consommation de drogue. Devant le nombre croissant de blessés sur la Lowari, le gouvernement pakistanais a entrepris depuis 4 ans de creuser un tunnel à travers la montagne. On traversera bientôt la montagne. Ça va vraiment nous changer la vie. Comme ça, on aura moins de difficultés pour travailler. Mais pour l'instant, on doit continuer à franchir le col à plus de 3000 mètres d'altitude et on ne sait jamais si on réussira à passer. Daoud habite à quelques pas de ce chantier. Avant d'attaquer la montagne, il s'arrête toujours pour embrasser ses enfants. Sa vie, c'est sur la route qu'elle défile. Tu les vois souvent, tes fils ? Malheureusement, pas beaucoup. Et eux, ils seront conducteurs ? Oui, peut-être. Daoud a deux garçons et une fille. Dans cette vallée très à cheval sur la religion, on oblige les femmes à se cacher du regard des hommes. Daoud empêchera même sa mère, sa femme et sa fille de nous rencontrer. Comment tu vois ton avenir ? Il n'y a pas d'avenir ici. On travaille, c'est tout. Il n'y a pas d'avenir dans ce job. Mais tu voudrais pas acheter un camion un jour ? Je gagne tout juste de quoi nourrir ma famille. Alors comment veux-tu que j'économise pour un camion ? Moi, je vais économiser 30 000 euros et je vais l'acheter, ce camion.
Il sera couvert de décorations. Il brillera. Ce sera le premier camion de la famille. Dès que j'ai de l'argent, je l'achète. Après 2 heures d'arrêt, les deux frères reprennent la route. Ils attaquent maintenant la partie la plus difficile de l'ascension. Une zone où la fonte des neiges provoque avalanches et glissements de terrain. En moins d'une heure, ils vont passer de 2000 à 3000 mètres d'altitude. Une ascension a donné le vertige aux routiers les plus aguerris. Vas-y, Khalid, descend. La route n'a pas l'air bonne devant. Le camion peine. Sur les pentes abruptes, la vitesse tombe à 10 km/h. ...2800 mètres. Le manque d'oxygène accentue la fatigue et diminue la concentration. Le moindre geste devient alors un effort. Il faut lutter pour rester éveillé. Encore 300 mètres avant le col et son auberge. Ça y est, on est arrivé au sommet. Il fait vraiment froid ici. Regarde là-bas, c'est la zone des 45 virages. La descente est terrible, c'est vraiment très dangereux. Il faut freiner tout le temps et les freins chauffent. La route est si étroite que dans les virages, on ne peut même pas se croiser avec d'autres camions. Alors il faut être attentif et ne jamais lâcher son volant. Non, jamais. Devant l'auberge du col, les camionneurs vérifient que leurs marchandises sont bien arrimées. À l'intérieur, d'autres évacuent les tensions de la montée et se préparent pour la suite devant un bon plat de mouton bouilli, la spécialité de la vallée. Quelles sont les qualités indispensables pour traverser la montagne ? Il faut avoir le cœur solide. C'est-à-dire ? Il faut du courage et de l'expérience. Celui qui n'a jamais eu d'accident ou de problème mécanique, il ne s'en sortira jamais dans cette montagne. Pour Daoud et son frère, il est temps d'attaquer la zone des 45 virages. À partir d'ici, tout devient un problème. La route est extrêmement glissante. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige fondue. Sinon, ça sera l'enfer. Franchir ces virages relève de l'épreuve de force. L'enjeu est simple. Descendre sans jamais s'arrêter et prier pour ne pas croiser un autre camion dans les virages. La neige fondue a rendu la route boueuse. Le moindre coup de frein un peu trop brusque et le camion devient incontrôlable. C'est le tout droit assuré dans le ravin. Quand ça glisse, je ne peux rien faire. Je suis obligé d'attendre que ça se passe. Je ne peux pas freiner. Et si je le fais, le camion peut partir n'importe où. Regarde, j'arrive même pas à tourner le volant, ça sert à rien.
Eh oui, c'est comme ça la vie ici. Sa vie, Daoud la doit à la maîtrise parfaite de son camion. Mais ce qu'il ne maîtrise pas, c'est la colère de la nature, comme les avalanches qui arrachent tout sur leur passage. Ce poteau à haute tension en a récemment fait les frais. Regarde ça. Les avalanches ont arraché le poteau électrique. Et maintenant, on a très peur des fils qui pendent. Mais en quoi c'est dangereux? Si on touche les fils avec le toit du camion, ça fait fondre les pneus, mais surtout, ça peut nous électrocuter. Un dernier virage et les deux frères arrivent enfin dans la vallée de Chitral. La route y est plutôt bonne, elle est goudronnée et protégée par des contreforts. Khalid pourra bientôt avoir sa leçon de conduite. Mais quelques kilomètres plus loin, en bas dans la vallée, c'est une mauvaise surprise qui les attend. Une partie de la montagne est écroulée sur la route. Impossible d'aller plus loin. C'est grave ? Eh oui, regarde, la montagne s'écroule encore. La route est complètement bloquée. Il va falloir au moins une journée entière à ce petit tracteur pour tout déblayer. Mais il n'existe pas une autre route ? Non. Malheureusement, c'est la seule de la vallée. Le flanc de la montagne reste instable et un flot de rochers s'en décroche continuellement. Dessous, au péril de leur vie, les ouvriers travaillent sans relâche pour réouvrir la route au plus vite. Hey, fais attention! La machine, ça coûte cher! Allez, recule! Faut bien que je travaille! Un rocher se décroche et percute l'avant du tracteur. Pourquoi tu prends tous ces risques? Il faut bien que quelqu'un le fasse, ce travail. Allez, j'y retourne. De part et d'autre de l'éboulement, en file indienne, une trentaine de camions attendent que le tracteur ouvre la route. Certains sont bloqués depuis plusieurs jours. Alors chacun prend son mal en patience et fait passer le temps comme il peut. La route était déjà bloquée hier soir, depuis j'attends. Ça arrive constamment. C'est de la faute au gouvernement qui n'entretient pas les routes dans cette région. Pourtant, on en a besoin pour travailler. Et quand on reste bloqué comme aujourd'hui, on perd beaucoup d'argent. Un bien petit tracteur pour une si grosse montagne. Tout le monde attend l'arrivée du bulldozer gouvernemental envoyé par la ville de Drosh, située à quelques kilomètres de l'éboulement. Drosh est connu dans tout le Pakistan pour la beauté de ses camions, et ce n'est pas un hasard. Le village abrite l'atelier de décoration le plus réputé de la vallée, Saminanko, une entreprise familiale. On y vient des quatre coins du pays pour passer commande ou pour le simple plaisir des yeux. La famille de Samin donne une seconde vie à ses camions qui datent pour la plupart des années 60. Lorsque le véhicule arrive, il est comme ça. Et notre but est de le faire briller autant que ce camion. Combien ça coûte de faire ça ? Ça dépend de la quantité de décoration que le propriétaire demande. Les prix vont de 15 à 2500 euros. Mais plus ça brille, plus c'est cher. Quel est l'intérêt ? Ça donne de la valeur au propriétaire. Ça montre que les affaires vont bien. Ce matin, à l'atelier, on termine la fabrication d'une couronne. Un travail minutieux qui demande de l'imagination. Les couleurs et les motifs, je les trouve dans ma tête. Je fais comme j'aime. L'important pour le propriétaire, c'est que ce soit voyant.
La couronne est prête. Elle peut venir embellir le dessus de la cabine du chauffeur. Allez, on lève. La couronne pèse plus d'une centaine de kilos et toute la famille participe à son installation. Bouge un peu sur la droite. Relève-la encore un peu. Avant, on nous demandait des décorations simples et uniquement à l'intérieur de la cabine. Mais aujourd'hui, ils en veulent partout. C'est énormément de travail. Le petit va faire ce métier ? Non, non. C'est un métier trop difficile. Lui, il va à l'école. Le propriétaire du camion vient d'arriver. La tradition veut qu'il pose lui-même la touche finale. Il a investi plus de 350 euros de décoration, l'équivalent de 7 mois de salaire. Regarde, j'ai mis des décorations partout. Regarde mes enceintes, 1200 roupies et mon ventilateur. J'ai aussi mis un autoradio tout neuf. La décoration, c'est très important pour les affaires. Ça montre aux clients que l'entreprise va bien. Regarde ça, c'est très joli. Ça bouge quand on roule. On est très fiers d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour notre camion. Au village de Droche, un camion nouvellement décoré ne reste jamais longtemps inaperçu. Et chacun y va de son commentaire. Il est pas mal, hein, mais pour moi, c'est dans le sud qu'ils font les plus beaux camions. Allez, mets de la musique, et montre-nous que ça fonctionne très bien. Ils dépensent rien pour la décoration. C'est important d'avoir un beau camion. C'est comme lorsqu'on épouse une femme, on veut qu'elle soit belle. Là, c'est la même chose. Qui sont les plus importants, les femmes ou les camions ? Les femmes, bien sûr. Ce sont les femmes les plus importantes. Alors, rien de mieux pour séduire que de prendre la pose devant son camion. Le lendemain matin, au pied de la montagne écroulée, le bulldozer tant attendu est arrivé. En quelques coups de pelle, il ouvre un passage dans la coulée de pierre. Bravo, bravo, bravo. T'as bien travaillé. Ne roule pas aussi vite. Ça peut encore bouger. Allez, avance! On a perdu assez de temps! Depuis quand tu attends? Deux, trois jours. Le passage reste temporaire car la montagne continue de s'écrouler. Sous les pierres qui tombent, les premiers camions s'engagent les uns après les autres. Arrive le tour de Daoud. Son petit frère passe devant pour le guider. Tout s'est bien passé. Ils peuvent enfin terminer leur voyage. Daoud est fier de son petit frère qui l'a aidé à franchir la montagne sans casse ni accident. Il décide de le récompenser. Allez, vas-y, va prendre ma place. La route est facile maintenant, alors je le mets au volant.
Pourquoi tu fais ça? Il doit commencer à apprendre le métier. Ça sera facile. Vas-y, démarre. Allez, accélère. Ah, tu sembles inquiet. Non. Tant que je reste à côté de lui, tout ira bien. Tu n'es pas trop jeune pour conduire ? Si, mais c'est le métier que je veux faire. Et tu as peur ? Non. Dans la région, pas d'école de conduite. Ce sont les aînés qui enseignent aux plus jeunes. Allez, avance. Engage-toi, il n'y a personne. Passe une vitesse. Allez, roule, prends de la vitesse. Passe une vitesse maintenant ou tu vas caler. Vas-y, change. Trop tard, imbécile. Freine maintenant. Tu m'écoutes ou je t'en remets une. Ne lâche pas ton volant, petit con. Je te dis de ne jamais lâcher ton volant, c'est trop dangereux. Allez, c'est fini, arrête-toi là maintenant. Allez, derrière ce camion. C'est fini. Mets le frein à main. Allez, dehors. Dégage. Dégage. Descends. Il conduit bien ? Ouais, pas mal quand même. Il deviendra conducteur alors ? S'il reste avec moi encore 2 ou 3 ans, il pourra faire ce métier. Pourquoi tu le frappes ? Il lâche le volant. C'est bien trop dangereux de faire ça. On risque notre vie. Il doit s'en souvenir pour toujours. Khalid et Daoud arrivent enfin à Chitral. Pour parcourir les 240 km de la Lohari, ils ont mis près de 4 jours. Il faut maintenant décharger rapidement la marchandise et reprendre la route au plus vite pour tenter de faire encore un aller-retour avant la fin du mois. Merci pour ton courage. Allez, encore un dernier sac et on rentre. On a bien travaillé. Dans son coin, Khalid enterre ses illusions. La vie de camionneur, il l'avait rêvé autrement. Chitral est la plus grande ville de la vallée. Toutes les marchandises de première nécessité y sont stockées avant de partir ravitailler les villageois installés à flanc de montagne le long de la frontière avec l'Afghanistan. Le village de Parsan se situe à 35 km à peine de Chitral. Accroché à 2900 mètres d'altitude, ce petit village est totalement enclavé. Chasse, agriculture, élevage, les 1500 habitants y vivent en autarcie, complètement isolés du reste du Pakistan. Pour rejoindre Parsan, il n'existe qu'une seule solution, s'aventurer sur cette route de pierre creusée depuis à peine une dizaine d'années. Retour à Chitral. Dès les premières heures de la journée, les passagers se pressent par dizaines à la gare centrale. Chacun tente de trouver une place dans l'un des véhicules à destination de son village. Ici, c'est la gare des 4x4. Ce sont les seuls véhicules capables de franchir la montagne. Car les camions ne passent pas. Hadji a 28 ans, il conduit la Jeep qui mène au village de Parsan. Comme son père avant lui, il assure plusieurs fois par semaine la lourde charge de transporter les villageois. Aujourd'hui, il doit remonter une famille sur cette route réputée des plus dangereuses. Mais son véhicule a un problème mécanique. Ça va aller ?
Oh là là, ça fuit de partout là. Ils ont besoin de moi au village. Je suis le seul moyen de transport. Par exemple, si quelqu'un tombe malade, c'est à moi de m'en occuper et de le transporter. Alors, je dois faire réparer la Jeep le plus rapidement et repartir au plus vite. Malheureusement, le problème est plus important que prévu. Une pièce de la transmission est totalement usée. Regarde, elle est foutue ta pièce. Tu as l'air inquiet. Oui, c'est très difficile de trouver une pièce comme celle-ci. Comment vas-tu faire ? Je ne sais pas. Là, j'ai un gros problème. Trouver une pièce de précision dans un village perdu au milieu de la montagne relève du parcours du combattant. Bonjour, je cherche cette pièce. On n'a pas ça ici. Bonjour, tu as ça, toi ? Non, j'ai pas ce genre de pièce, laisse-moi dormir. Non, non, j'ai pas ce modèle. Ah, de chercher, tu trouveras jamais. Le salut viendra peut-être de cette dernière boutique. 2, 4, 6, 8. C'est bon pour toi, c'est la bonne pièce. Ça fait 40 euros. Deux heures plus tard, la Jeep est réparée, prête pour affronter de nouveau la montagne. Hadji charge près d'une tonne de marchandises, mais aussi des passagers. Sofana, 10 mois, et ses parents ont le sourire. Après 15 jours d'hospitalisation pour une grosse fièvre, leur petite fille peut enfin rentrer au village. Malgré les dangers, on va remonter par cette route. Il n'existe pas d'autre accès au village. Tu te fais du souci pour ta famille ? Oui, j'ai surtout peur pour ma petite. Bonne route ! Merci, merci. Par manque de place, une dizaine de personnes sont entassées à l'arrière de la Jeep. Privilège pour la famille, Hadji les a installés à ses côtés. On va mettre un peu de musique ? Avant de s'engager dans la montagne, il faut franchir la rivière et rouler sur un antique pont de bois. Ce pont est très vieux. Il a été réparé plusieurs fois, mais il reste fragile. On n'aime pas le traverser. Écoute le bruit qu'il fait. Personne ne prend le risque de s'arrêter dessus. Après le pont, tout l'enjeu du voyage est d'atteindre le village avant la nuit. Dormir dans les montagnes pourrait s'avérer fatal pour le groupe. Les températures chutent souvent en dessous de zéro et les avalanches de pierres sont fréquentes. De nombreuses jeeps se sont déjà faites emporter. En l'honneur d'un ami tué par la route, Azam se rend au village pour participer à la fête des morts. Il est mort dans un accident ici, sur cette route. C'est la première fois que je vais revoir son fils, sa femme et sa mère. La route est terrible, elle est vraiment trop dangereuse. Par endroits, on peut glisser et tomber dans le ravin. Ça arrive. À
cette altitude, la chaleur est épouvantable. En journée, il fait au minimum 40 degrés au soleil. Le copilote tente régulièrement de refroidir le moteur. Après 3 heures de route, les passagers sont exténués. Ils n'avaient pas prévu cette chaleur. Solana, ma chérie. T'inquiète pas, on va bientôt arriver. On va bientôt arriver. Elle a soif, la petite. On n'a plus d'eau. Maintenant, c'est l'endroit le plus dangereux. On doit passer le tunnel de la mort. Que Allah nous protège. Dieu est grand, il va nous aider à passer. Il le faut. Le tunnel de la mort est un passage d'une dizaine de kilomètres, creusé à la main. Sa voûte est instable, les éboulements y sont si fréquents que des ouvriers le déblaient chaque jour. Quand la route a été construite, deux ouvriers sont morts. Ils ont glissé dans le ravin et maintenant tout le monde a peur de venir ici. Traversée sans encombre, mais une victoire de courte durée. À la sortie du tunnel de la mort, la rivière est en crue. Impossible de passer avec la Jeep, il va falloir passer la nuit sur place. Descends à la rivière, va regarder. On a un gros problème. Le courant est trop fort. C'est impossible de traverser maintenant. Je ne pense pas que l'on passera aujourd'hui. Inquiète, la maman de Solana ne sait plus quoi penser. Quelques passagers intrépides tentent tout de même de franchir la rivière à leur risque et péril. C'est impossible, je réussirai jamais. C'est infranchissable. Vraiment ? Ah ouais, c'est infranchissable. Un jeune téméraire insiste à son tour. Une rivière infranchissable, une nuit froide qui se rapproche, les parents de Solana ne peuvent plus attendre. On part à pied. On ne peut pas prendre le risque de rester bloqué ici cette nuit. On a beaucoup de marches pour arriver jusqu'à notre maison. Mais on n'a plus le choix. Maintenant, faut y aller. Sous un soleil de plomb, la famille commence son ascension. Porte notre fille, s'il te plaît. J'en peux plus. Cette voie secondaire uniquement praticable à pied date de l'époque où la route n'existait pas. Inquiété par la montée des eaux, le grand-père est descendu à la rencontre de sa famille. Regarde ma chérie, on voit la maison là-haut. Il faut au minimum 3 heures de marche pour atteindre la maison familiale. Ça va, prends la petite. Viens avec moi, ma chérie. Couche-la, elle est fatiguée. Quand ma famille prend la route, j'ai peur. Je ne sais jamais s'ils vont arriver en vie. Alors je descends toujours à leur rencontre pour les attendre au bord de la route et les aider s'ils ont un problème, comme aujourd'hui. Et maintenant, tout va bien, je suis rassuré. Couvre-la, s'il te plaît. Il faut qu'elle dorme, elle est très fatiguée. «
À l'extérieur, le père de famille a déjà repris le tissage de la laine. Il utilise une méthode ancestrale qui n'a pas changé depuis des siècles. On tisse la laine à la maison, puis on descend la vendre en ville. C'est comme ça que l'on gagne un peu d'argent. Il n'y a pas d'autre solution dans le village. La laine sera vendue 2 euros le mètre sur le marché de Chitral. Tout juste de quoi acheter quelques vêtements pour la famille et payer les voyages en jeep. Devant le guet, l'espoir est revenu. Le niveau de l'eau redescend peu à peu et pour faciliter le passage des jeeps, les villageois tapissent le lit de la rivière avec des cailloux. Le courant est toujours très fort. On ne peut pas encore passer. Alors on jette des pierres. Allez, allez, tous ensemble. Allez les gars. Allez, on y va. Allez, tous ensemble, poussez. Encore. Poussez. C'est bien, on va pouvoir passer. Je suis content. J'ai fait descendre les passagers, c'est trop dangereux. Allez, remontez, on y va. Après quelques kilomètres, le village de Parsan apparaît enfin. Passe-moi le sac de sucre, s'il te plaît. Hadji a mis 10 heures pour parcourir 35 kilomètres. Mais il a le sourire, car une fois de plus, il a réussi à tromper la mort. Je suis heureux, j'ai rejoint mon village, mes amis, ma famille. Dieu a été avec nous, encore une fois. Plus haut dans le village, Azam a rejoint la maison où va se dérouler la fête des morts. Il y est accueilli par le fils du défunt. Salut mon ami, comment ça va? Tu vas bien? Ouais, pas mal. Toutes mes condoléances pour ton père. Merci, merci. Et ta mère, comment va-t-elle? Que Dieu ait son âme, elle est morte. Que s'est-il passé? Quelques mois après l'accident de papa, elle est partie à son tour. Paix à son âme. Étonnamment, c'est dans les coins les plus reculés du Pakistan que les femmes sont les plus libres. Ici, la religion est présente, mais elle est suivie avec plus de souplesse. Regarde, c'est les dernières photos de mon père. J'étais dans la Jeep, moi aussi, ce jour-là. Le conducteur n'a pas enclenché les quatre roues motrices et la voiture s'est renversée. C'est comme ça que mon père est mort. Tu as été blessé? Non, moi et les autres passagers, nous n'avons rien eu. Pour la cérémonie des morts, Nawaz sacrifie l'une de ses plus belles chèvres. Allez, viens ici. Voilà, on va prendre celle-ci, elle est grande, bien dodue, elle va être parfaite. Je te remercie, Allah, d'accepter ce sacrifice. Nous allons sacrifier cette chèvre en ton nom. Passe-moi le couteau, s'il te plaît. Il faut vraiment bien aiguiser son couteau pour que la chèvre ne souffre pas.
Et c'est péché de la faire souffrir. Un sacrifice doit honorer l'animal. Viens m'aider, s'il te plaît. Tiens-lui les pattes arrière. Allez, vas-y, tu peux y aller. Allah est grand, Allah est grand. Les peaux sont très importantes pour nous. Car avec, on fabrique des tambours. Mais aussi des couvertures extrêmement chaudes. Et même lorsqu'on porte de lourdes charges, on les pose sur nos épaules et elles nous les protègent. Et on fabrique aussi des chaussures pour l'hiver, de très bonnes chaussures même. Car grâce à elles, on ne glisse pas dans la neige. On en prend soin de nos chèvres. Nawaz prépare personnellement le repas. Une trentaine d'hommes sont attendus ce soir. Les musiciens entament les premiers chants en l'honneur du défunt. Une ode à leur route qui, malgré les morts, les relie au reste du pays. Janta te kurban pari pukyan khodai.